Envoie des données. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite, et les sorties seront décelées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Il existe une infime possibilité de fuite. Mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie.
What?